C'est un appel lancé depuis chez lui, depuis son confinement en Californie. Good morning, Mr. Gates. Good morning. Bill Gates a pris le temps car il interpelle les chefs d'État des pays riches dans cette lettre intitulée « Pour une approche globale contre le Covid-19 ». Il a une première demande très claire, que ces pays partagent leurs équipements vitaux. Mon appel est qu'en même temps qu'on accélère la production de masques et de respirateurs, on s'assure qu'elle ne soit pas réservée à un seul pays, mais qu'on se dise « Ok, c'est bien, continuons, mais assurons-nous que les pays en voie de développement en bénéficient aussi, car c'est eux qui vont en avoir le plus besoin. » Seconde demande, de l'argent pour le futur vaccin. La Fondation Gates s'est engagée à construire des usines de production. Le philanthrope appelle les plus riches à donner 2 à 8 milliards pour notamment distribuer le vaccin aux plus pauvres. Bon, en pourcentage, c'est un petit montant. Regardez, ils investissent des centaines de milliards pour sauver leur économie. Et mon idée, c'est que si 1% de ça va au reste du monde, au bout du compte, ça aidera les plus riches aussi. Pour convaincre les leaders mondiaux, une seule idée, aider les plus pauvres, c'est s'aider soi-même en éradiquant définitivement le virus. Bill Gates a été visionnaire. Écoutez bien ce qu'il prédisait il y a 5 ans. Aujourd'hui, le plus grand risque d'une catastrophe globale ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ceci. Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les décennies à venir, ce sera très probablement un virus très infectieux plutôt qu'une guerre. À l'époque, il n'a pas été entendu, alors pourquoi le serait-il aujourd'hui ? Je me lève tous les matins dans un monde qui a changé et je me dis, c'est vraiment en train de se passer ? Et moi qui ai prédit cette éventualité, je suis abasourdi qu'on en soit là, en train juste de tenter d'atténuer les conséquences. Vous l'aviez dit et ça n'a servi à rien. C'est vrai, mais le dire c'était aider les gens, pas pour pouvoir leur dire, hey, moi je suis prêt, je vous l'avais bien dit. Bill Gates n'a pas parlé avec le président Trump, mais il souhaite que l'Amérique ne se referme pas sur elle-même. Le multimilliardaire salue l'action d'Emmanuel Macron. Il est très ouvert d'esprit et je pense que ce type d'intellect est très utile pour faire face à une situation totalement nouvelle comme celle-ci. Depuis son bureau à la maison, Bill Gates, au nom de sa fondation, a signé un chèque de 100 millions de dollars pour lutter contre le Covid-19.